Je mets tel mensonge là, parce qu'il faut que je trouve quelque chose à dire. Hein. Parce que là, on ne me paye pas pour rien aussi. Bon, le sujet que je vais prendre. Oh, c'est facile, j'ai un sujet. Pas de souci. On va y aller dessus. Voilà. Ok. C'est propre. On peut commencer. Hein? Un peu de musique déjà. Voilà, pour se mettre un peu dans le bain. Voilà. Voilà, donc sois salué ma puce. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va parler un peu du pays. On va parler un peu de tout ces n'importe quoi là, de ces n'importe qui et tout. Voilà, donc restez connectés. Partagez, partagez, partagez. C'est tellement facile. Partagez, partagez, partagez. Ça va? Excuse-moi, je suis dans mon direct là. Oui, je sais, mais... Voilà. Bon, écoutez, je vais devoir vous laisser parce que je pense que je suis un peu... Mais restez connectés. D'ici 2-3 minutes, on va y aller, on va continuer. Voilà. Attends, oui. T'es sérieuse là? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me vois pas? Allô, boss? Vous m'entendez? Oui, c'est moi, Miguel Choco. Vous êtes où là? Ah, dans le même coin là. D'accord, là je m'apprête. Je m'apprête, je viens. Ok, à tout à l'heure, boss. Bon, tu as besoin de quelque chose? Tu n'es pas fatigué de ce que tu fais là tout le temps? Ben non. Ben quoi? Je ne suis pas fatigué. J'aime ça. Mais c'est pas normal. Vous êtes en train de brûler le pays comme ça. T'es buzz là, t'en as pas marre. Je fais quoi? Mais tu fais rien de bon qui est raconté de n'importe quoi. Tu crois? Je te signale que je te suis. Hein. Vous ne faites que vous insulter, vous clasher. C'est pas une vie ça, ce que tu fais. Tu sais ce que je suis en train de faire là? C'est des informations. Hein. Quelle information? Oh, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu peux pas arrêter de faire ce que tu es en train de faire là. Je donne des informations. Ok? Et si c'est pour l'argent, tu sais très bien, j'ai mon boss qui va me filer de l'argent, il me donnera de l'argent et je te donne. Quelle information? Quand vous vous clashez là, c'est ça? C'est ça, tu appelles l'information? C'est parce que tu sais rien. Sinon, moi, ce que je suis en train de faire, c'est intéressant pour les internautes. Ok? Et puis, tu as fini de parler là? Écoute, j'ai compris. Là, j'ai un rendez-vous avec mon boss là, d'accord? Je te ramène ton argent. Ok? Et puis bon, tu m'as déjà coupé mon direct et puis bon, j'ai pas que ça à faire. Comme si c'était important. Bah, c'est important pour moi, hein. Très écoute, important. Moi je t'aurais prévenu, si jamais quelque chose devrait arriver, tu auras ça sur ta conscience. T'es prévenu, hein. Mais je ne comprends pas cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je me vois partout sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible là. On ne peut pas publier mes photos comme ça. Et on écrit n'importe quoi, ce que je ne fais même pas. Je n'en peux plus, il faut qu'il travaille. Ah ben non, il va venir me trouver ici et puis on règle tout ça. C'est bon, hein? C'est bon en fin de compte. Allô? Oui, Chiro. Oui, tu sais, j'ai besoin de toi, je veux que tu viennes. Oui, oui. Oui, on doit parler, je sais que tu parles de moi, mais je veux te voir, je veux que tu viennes, on va en discuter au fait. Je ne peux pas te le raconter au téléphone, mais il faut qu'on se voie, c'est vraiment important. Oui, oui. Donc, je t'attends tout à l'heure. D'accord, merci, à tout à l'heure. Bonjour mon boss. Oui, comment tu vas? Oui, ça va. Assieds-toi là. D'accord. Tu vas bien? Oui, ça va. Pas trop mal, ça va. Ça va. Attends, je vais couper. Ça, c'est très chaud. Ça va? Oui, ça va, boss. Ça va. Okay. Ouais, écoute, tu as bien fait d'arriver dans mon bureau. C'est déjà bien. Tu sais, moi, il y a une seule chose que je te demande. Tu fais déjà un bon boulot, tu es vraiment à féliciter. Merci, boss. Merci. Mais tu sais, aujourd'hui, la seule chose que moi je te demande, même si on doit brûler le pays, il faut que ça se fasse. C'est tout ce que je te demande. À toi de trouver des informations pour que le pays brûle. Si on vient, on va reconstruire, ça, c'est pas un problème. C'est tout ce que je te demande. Mais boss, vous savez que avec ce que vous demandez, il faut beaucoup d'argent, hein, parce que
Là, il faut que je recrute du monde aussi. Toute seule, je peux rien faire. Ok, t'as besoin de combien? Là, pour l'instant, pour les recruter, j'ai juste pour l'instant besoin de 10 000 euros, quoi, pour histoire de... Ouf. D'accord, bon, moi, je te propose 20 000. Okay. Mais sachez que les 20 000 euros, c'est pas juste, voilà, parce qu'après, normalement, j'ai besoin de au moins 300 à 500 000 euros. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que j'ai besoin, mais là, c'est juste pour recruter, quoi. D'accord. Voilà, donc si vous êtes d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Non, écoute. Voilà. Les 20 000, dès que ça va pas, tu connais mon bureau. Oui, bien sûr. Tu as mon numéro. Mais la seule chose que tu demandes, il faut que le pays brûle. Parce qu'après, si on est au pouvoir, on va être derrière le pouvoir, on va reconstruire le pays. Mais pour l'argent, je ne vais pas te faire un chèque, je vais te donner ça en liquide pour ne pas qu'il y ait des traces. Il faut que je sois président. Et en parlant de ça, j'ai vu dans ces deux temps un petit qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah non! Miguel Choco, justement. Non, mais c'est un petit problème. Là, j'ai même un dossier sur lui. Lui, c'est... Vous voulez qu'on fasse quoi de lui déjà? Mais on va venir. Mais ce n'est pas possible. Je te paye pour faire mon travail. Je suis affiché partout sur les réseaux sociaux. On me voit partout. On raconte n'importe quoi de moi. Ce qui est faux. Justement, c'était pour ça que je suis venu te voir. Parce que ce gars-là, j'ai ses dossiers. Tu vois? Ses dossiers, c'est... Et qu'est-ce que moi, je vais faire avec ses dossiers? Moi, je parle de moi, tu me parles du gars. Hein? Je te parle de mes photos qui sont affichées, je me parle de ces dossiers. Mais je n'ai rien à foutre avec ces dossiers, moi. Hein? Fais ton travail correctement. Ou bien tu n'as pas envie de travailler? Simon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut faire mon travail correctement. Ok, ça va se faire. Bon. Très vite. Parce que je n'en peux plus, là. J'en ai marre, en fait. À marre, en fin de compte. Hein? Sinon, je prends Chiron, si tu veux. Hein? Non, bon, ça va se faire. Ah, il faut que ça se passe rapidement. Je te donne de l'argent. Quand tu viens me demander de l'argent, je le sors, je te le donne. Donc, fais le travail correctement. Justement, moi, j'ai besoin d'argent parce que là, ma connexion... Ah, tu as besoin d'argent? Vas-y, va faire le travail, je te donne de l'argent. D'accord. Tant que tu ne fais pas le travail, tu ne pourras pas avoir de l'argent. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on le ramène là, non? C'est aussi une bonne proposition. Parce que si on le ramène... Ouais. C'est aussi une bonne proposition que de l'éliminer. Voilà, c'est mieux de le ramener vers nous. Mais je saurai quoi faire. Mais tu as confiance à lui? Ah oui, je saurai quoi faire. Je n'ai pas confiance, mais je saurai quoi faire pour qu'il vienne avec nous. D'accord. Voilà, après, il y a... Tu as bien fait d'arriver aujourd'hui au bureau. Il y a une deuxième dame là. Celle, elle... Pour elle, il faut... Je ne sais pas, je ne connais pas trop son nom. Mais il faut qu'elle, on l'élimine. Vite fait. Mais c'est qui déjà la concurrente? Justement. Là, pour qui Miguel travaille? Justement. Parce que, je te dis un truc. Dans la politique, il n'y a pas de pitié. Non, mais ne vous inquiétez pas. Elle m'a appelé déjà. Comme par hasard, elle m'a appelé. Quoi? Oui. Quoi? Mais il faut qu'on l'élimine. Elle t'a appelé? Oui, elle m'a appelé ce matin. Il faut qu'on l'élimine. Attendez, bon, c'est... Ce qui est sûr, j'ai rendez-vous avec elle aujourd'hui. Je vais déjà voir ce qu'elle va me dire. Voilà, et puis après, je vous fais le point. Vous savez que nous, on travaille ensemble depuis des années. Hein, donc, voilà. J'ai rendez-vous avec elle. Je vais voir ce qu'elle va me dire. Et puis, on en parle. D'accord. Voilà. J'espère que je te fais confiance. Oui, là, il n'y a pas de problème. Dès que je finis avec elle, je vous fais le point. D'accord. Bon, ça c'est pour juste boire un peu d'eau, prendre le taxi. Okay. Et tu passes à mon bureau quand tu veux, tu m'appelles, on va se donner rendez-vous pour les 20 000 euros. Écoutez, il faut que ça soit fait le plus tôt possible parce que si je dois les revoir, parce que normalement il faut que je voie avec le chocolat. Hein. T'inquiète pas. Écoute, voilà, écoute, prends ça, ça tu prends déjà pour partir d'un bon, okay. Un bon resto et nous tu fais ton transport. Ok. Donc écoute, n'hésite pas, tu m'appelles quand tu veux. D'accord. Et la seule chose qu'on te demande, c'est de faire un bon boulot pour qu'on puisse récupérer le pays. Que ça soit à sang ou à feu, c'est pas le problème. Après on va reconstruire. Ça c'est un petit problème. Ouais. Je vous ai fait appel parce que je sais que vous faites bien votre travail. Merci. Vous faites vraiment du bon boulot. Même si vous parlez de mal de moi, mais j'aimerais qu'on travaille ensemble.
Merci. Bah, écoutez, vous savez que j'ai un gros dossier sur vous. Ah bon? Oui, justement. Vraiment? Justement, j'ai un gros dossier sur vous. Un dossier sur moi? Mais de quoi parle ce dossier? Vous avez des conteneurs ou pas? Ben oui. Il n'y a pas de grand chose. Vous êtes sûre, madame? Mais bien sûr. Bah, non. Vous n'avez pas de produits dedans qui peut intoxiquer le pays? Ne parlez pas fort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais ça, il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est de l'argent. Ah, mais si c'est de l'argent, il n'y a pas de problème. C'est de l'argent. Mais de l'argent, donnez... c'est pas un problème. Hein? Vous êtes sûre? Ben oui. Ok, vous avez au moins plus de 1 million d'euros. Ne vous en faites pas. Ne vous en... Il suffit que vous fassiez mon travail comme il se doit. Il n'y a pas de problème. Si vous me donnez l'argent, tout de suite, je règle votre problème. Mais il n'y a pas de problème si ça fait de l'argent. Je vous le donne rapidement. D'accord. Voilà. Donc, quand est-ce que je peux passer chercher l'argent? Dans 2 jours. Vous êtes sûr, hein? Bien sûr, dans 2 jours, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on fait comme ça? D'accord. À plus tard. Merci. Elle veut 1 million d'euros, celle-là. Mais dis donc. Elle est prétentieuse, hein? 1 million d'euros? Elle aura ça dans sa tombe. Attends, je vais appeler Miguel. Ce n'est pas possible, hein? Allô, Miguel? Viens. Je vais te voir tout de suite, c'est urgent. Oui, oui. Viens, on va en discuter, c'est vraiment urgent. Ok, je t'attends. 1 million d'euros? Est-ce qu'elle connaît 1 million d'euros, celle-là? Elle aura ça dans sa tombe. Oui, patron. Mais ah, tu es arrivé. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. D'accord. Tu sais quoi? La chiro, la dégameuse. Ah ouais? Lui, il faut... Elle raconte trop de choses sur moi. Hein? Ah bon? Lui, elle raconte beaucoup de choses. Il faut l'éliminer même. Je veux que tu l'élimines parce qu'elle raconte trop de choses sur moi. Ah ouais? Elle me dit, elle a mes dossiers, un gros dossier, je ne peux pas t'expliquer en détail, mais il faut l'éliminer complètement. Je pense pas qu'on va la rapprocher. Rapprocher, ça m'intéresse pas. Il faut l'éliminer complètement. D'accord, écoute, ça c'est un petit problème. Moi j'ai ce dossier. Elle ne m'arrange pas. Oui. Elle avec son boss là, ouais, c'est vrai. Oui. Avec son boss là, on doit les éliminer. Très vite même, le plus tôt possible. Le boss il m'a gâté quoi. Voilà, c'est ça hein, monsieur. Ah ouais, monsieur Navarro, ça c'est un monsieur à suivre hein. Ok, ben écoute, il faut que je le rappelle encore parce que ce qu'il m'a dit là il était tellement bien. J'ai fini mon contact, le boss il le voit. Voilà, ok. Oh là 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 là. Ben écoute, t'en as pas marre de tes histoires là? Histoire. Chérie, il va falloir que tu changes. Écoute, Maya, tu me prends la tête, je viens un peu. Non, ça commence à bien faire. Il faut arrêter tes histoires là. Franchement, t'abuses. Il faut arrêter. Tu es une adulte quand même. Tu veux quoi là? Montre l'exemple. À qui? À la jeunesse. Pourquoi faire? On vous suit. Je les aide moi. Tu les aides à faire quoi? Bah, ce que je suis en train de faire. Ce que tu fais, tu trouves ça normal ce que tu fais? Écoute. Bah, écoute, tu veux quoi à la fin? Il faut que ça cesse tes magouilles là. Il faut que ça cesse. Parce que là, vous ne donnez pas de bon exemple à la jeunesse. Bon, écoute. Arrête ton téléphone là. Bon, lui, avec tout l'argent qu'il m'a donné, Navarro, là, monsieur Navarro, je ne sais pas. Alors, il passe à quelle heure là, je suis au courant, on doit se voir déjà à 18h, que j'apprête les sous là. J'ai plein de sous là en ce moment, donc. Bon, attends, j'ai l'argent, c'est tout ce qu'elle a. Oui, moi, je dois lui mettre les sous aussi à Miguel là. Maya, je sais pas pourquoi tu pleures ici, c'est pour l'argent. Il y a l'argent. Hein? Tu veux combien? Tu veux que je te donne combien? T'as plus de bouche, hein? Alors, je t'explique. D'accord? L'argent comme ça, je n'en veux pas.
T'es sûr? Non, je n'en veux pas. Tu veux pas l'argent? Non, l'argent pour ça, je n'en veux pas. Il faut que tu arrêtes. Moi, je veux bien que tu sois honnête. Que tu aies travaillé comme moi. Ça, c'est l'argent facile. Je n'en veux pas, moi. Écoute, moi, je te laisse l'argent. Tu fais ce que tu veux. C'est de l'argent. L'argent, c'est de l'argent. Tu feras ce que tu veux, voilà. Là, t'en as pour 5000 euros, là. Si tu veux, tu peux laisser là, mais moi, je toucherai pas. C'est trop facile, ça. Allô? Oui, bonjour, je souhaiterais parler au monsieur Navarro. Ah, c'est vous? Oui, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, je souhaiterais vous rencontrer si c'est possible. Je ne peux pas vous dire au téléphone. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Aujourd'hui? Si je suis dispo? Oui, je suis dispo. Dans une heure? Ah, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous habitez où? Ah, vous l'envoyez par SMS? D'accord. Merci. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Écoute, on ne va pas trop parler. Là, j'ai 5000 euros. Je suis dans 5000 euros et puis après, on verra plus. 5000 euros? Oui. Je vais faire quoi avec ça? Attends, écoute, 5000 euros. Tu plaisantes ou quoi? Tu sais que tu as un dossier? Tu sais au moins que tu as un récépissé? Tu sais au moins que tes papiers vont permis bientôt? Attends, si j'ai bien compris, tu m'as fait appel pour parler de mes papiers, c'est ça? Non, pas forcément. Je veux que tu te rallies, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Comment? Bah, qu'on travaille ensemble. Je suis venue voir parce que Chiro est ma soeur. Ah, d'accord, oui. Elle m'avait parlé aussi du recul qu'elle devait recruter des jeunes filles. Je pense que c'est bien sûr, c'est pourquoi vous êtes venu. Vous voulez... C'est non, pas pour le boulot? Non, c'est pas dans ce sens-là. Non. Ouais. Alors, en fait, moi, je viens au voir parce que c'est par rapport à ce qu'elle a contractuellement avec vous. Moi, je suis contre. Là, je vais direct avec vous. D'accord, ben, écoutez, expliquez-vous parce que je ne comprends pas bien ce que vous dites. D'accord. Parce que moi, ma soeur, en fait, je la suis sur les réseaux sociaux. Elle a tendance, en fait, à faire des clashs avec certaines personnes, pousser les gens, inciter les gens à faire des choses qui ne sont pas dans les règles. Ok, madame, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. Ça fait quand même plaisir que vous vous déplacez jusqu'à mon bureau pour ça. Pour cela, je vous dis merci. Mais c'est la jeunesse. On n'y peut rien. Donc, sinon, elle, tout le temps, j'essaie de faire ce que je peux pour lui aussi apporter des conseils. Mais bon, on n'y peut rien. Donc si aujourd'hui vous êtes là, on va le faire ensemble, vous et moi. Et je pense qu'on va trouver une solution à ça. Mais on n'y peut rien, c'est la jeunesse. Je vous remercie pour la bonne compréhension. Et de savoir ce qu'on a la même pensée. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir, je ne m'attendais pas à ça. Donc oui, ça me fait plaisir. Bon, Oui, bon, moi je vais aller. D'accord. À bientôt. Juste un instant. Tenez ça, je vous fais prendre des places. Allez-y, madame. Non, vous inquiétez pas. Oui, mais c'est moi qui vous le donne. C'est pas... Je suis venu avec ma voiture. Je sais, prenez l'essence à côté. C'est pas grave. Je suis mal à l'aise. Oui, c'est pas grave, c'est moi. Vous m'avez pas demandé, hein. C'est juste moi qui vous ai fait ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Allez, merci, au revoir. Merci. Vous êtes vraiment gentil. Merci. À bientôt. Moi, je te parle, tu prends les sous, mon gars, et puis après, on va gérer le reste, d'accord? Ok? Voilà. Bon, je vais prendre les 5 ans. Bah, après, demain, m'a dit, on se voit déjà, et puis on va se voir à Pont de... à Champ de Mal. C'est qui? Tu as vu ma patronne ces derniers temps? Bien sûr, elle m'a appelé. Oui, ah, on s'est vu, voilà, on s'est vu. Mais moi aussi, j'ai eu à parler avec elle. Oui. C'est quoi? Non. On m'a demandé de t'éliminer du tchou. Moi? Ouais. Tu plaisantes? Ben, c'est sûr. Tu vois, c'est ce que je te disais. Rallie-toi, c'est des personnes qui ne sont pas intéressées. Ok? Mais on n'est pas là pour son foutu, on a besoin seulement de notre argent et puis après. Le reste,
Mais pas là pour ça. Donc, mais après, toi aussi, là, et tu me rentres là-dedans. Oui, là. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, le cyber TV. C'est vrai, il faut bouger, il faut bouger. Les gens, ils veulent que ça. Quand même, tu abuses trop, tu rentres trop dans ma vie privée. Non, mais attends, écoute, tu crois que comment je fais pour avoir les milliers de vues, les gens, ils viennent vers moi, ils me proposent n'importe quoi, là. Tu penses que je fais pour deux vues? Mais toi aussi, tu me prends les vues, là, quand tu fais ça. Et cet argent-là, tu penses que je vais enlever où? Attends, écoute, tu sais, voilà, je dois encore aller contacter d'autres personnes. Tu connais l'autre, comment il s'appelle déjà? Le mec, là, qu'on appelle le tigre du diable, là. Ah! L'autre. Ah, lui, il est nul. Non, mais attends, lui, j'ai un petit dossier sur lui. Hein, ah ouais? C'est vite fait, ça, il va se rallier. C'est la forme de tous les dossiers. Après, écoute, c'est comme ça, hein. On s'attrape. Ok. Ok, donc, on fait comme ça. Bien. Bye. C'est pas possible. Cette dame-là, elle pense que je suis là pour ça. Tu viens dans mon bureau, ouais, laisse la jeunesse. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je vais être président, je fais tout pour engager les gens pour travailler. Elle vient, là, pour voir la jeunesse. C'est pas mon problème ça, la jeunesse ou pas, c'est pas mon problème. Je vais être président, c'est tout. Ça vous va? Oui, ça va, avance. Ouais. Le boulot, ça avance, je vois, c'est un peu, ça commence à avancer. C'est ça, hein, quand on veut faire. Hein. Justement, c'est le nouveau? Voilà, là, je suis venu avec Choco, voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci apparemment. Tout se passe bien. Ouais. Je suis venu vous le présenter. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est mon boss. Ouais. Voilà, c'est le dont je t'ai parlé. Monsieur Navarro. Voilà. C'est bien monsieur Navarro. Mais monsieur, oui. Est-ce que vous savez que ce que nous sommes en train de faire là, c'est dangereux? Ah bon? Ah bon? Depuis quand le pauvre, il parle? Le pauvre n'a rien à dire. Le pauvre ne réfléchit pas. Chiron, est-ce que tu veux bien expliquer avant qu'il n'arrive ici? Bah oui, mais je le sais. Je ne pense pas. Choco, tu me fais quoi là? On en a déjà parlé quand même. Ben après, je sais. Écoute, je pense. Oui, mais après, c'est mon boss quand même, il essaie de savoir parler quand même. Écoute, il a pris l'argent? Oui, oui, oui. Et il me parle comme ça? Ben après, moi, je n'ai pas rentré au pays. Oui, mais alors? Tu savais que nous sommes venus. Tu as tes parents au pays, moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux en ce moment, c'est d'être président. Excusez-moi, bonjour. Non, attendez. Ici, on parle d'argent. Tes parents sont au pays, ils sont au pays. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas mes parents au pays. Ma famille, elle est ici. Et c'est moi qui donne mon argent. Ok, le boss, j'ai compris. Et si vous faites ça, vous me remboursez mon argent. Non, vous sortez bon. De mon bureau. C'est bon, j'ai compris. On va faire ce que vous demandez. Mais il fallait commencer par là. Bon. Ça va, on va faire ça. Va. Bah écoute, tu m'as fait quoi là? Je fais quoi? Non, mais t'as vu comment tu as parlé à mon boss? Mais je dis ce que je pensais. Dis pas non? Mais bon, j'ai pas parlé de ton boss, j'ai pas parlé de lui parler, c'est pas t'as parlé de lui parler. Non. Tu as oublié que tu es déjà dans des problèmes. Essaie de respecter quand même les gens, c'est pas un petit monsieur quand même. Tu vas pas venir devant lui en train de te dire, bon voilà, tu m'as vu parler moi devant lui. Mais après, si toi t'as peur de lui, moi j'ai pas peur de lui. C'est pas que j'ai peur de lui, c'est le respect. Tu travailles pour quelqu'un, tu dois le respecter. Moi je te le dis en même temps. Soit tu travailles avec nous, soit tu travailles pas avec nous. Voilà. Tu dois respecter mon boss. Ok? J'ai tout simplement dit ce que je pense. Non, tu le respectes. Et puis bon, voilà, écoute, moi je te donne ça pour juste payer ton transport. C'est lui qui t'a donné ça? Bah oui, tiens. En plus, il donne rien ton boss. Bah tu crois qu'il donne rien? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je te file les 50 euros, tu payes ton transport. Voilà, le reste, après, on verra. Voilà. Ton boss, il donne rien, là. Rien, c'est du coup. On va partir, là. Miguel, qu'est-ce que se passe? Tu es venu avec Chiro, là? Non, juste, on s'est croisés, peut-être, dans le bon. Ah bon? Ouais. Chiro, ça va? Oui, ça va. Je me dis. D'accord. Alors, tu es venu me voir? Oui. Comme convenu, hein, nous sommes à la gare, par exemple, que vous m'aviez donné rendez-vous. Ou bien vous avez oublié? Je t'ai donné rendez-vous, moi? Bien sûr que vous m'avez donné rendez-vous. Ah bon? Et qu'est-ce que j'ai dit? De quoi ça parlait? Bah, vous savez bien, pour l'argent. Pour l'argent? Je ne m'en souviens pas, franchement. Ah bon? Oui, je m'en souviens pas, franchement. Mais il se passe quoi, hein? Mais oui. Je ne sais pas, il raconte n'importe quoi, parce que je ne sais pas de quoi il parle. Hein.
Oui, je peux comprendre les choses. Hein. Vous pensez que je raconte n'importe quoi? Ben moi, je me souviens de rien, en fait. Excuse-moi, je suis que 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous ne voulez pas me donner l'argent? Il n'y a pas de souci. Mais sachez que je sais que vous avez décidé de me tuer. Moi, je ne veux pas vous tuer. Ah bon? Mais vous, vous avez décidé de me tuer. Mais qui t'a dit ça? Ben, vous savez très bien, votre homme des mains, Miguel. Ah bon, Miguel? Mais tu n'es pas un homme de confiance. Comment c'est possible? Moi, je... Vous savez, madame, le travail que nous faisons, c'est pas pour se prétuer. En plus, chez vous, c'est ma soeur. Moi, je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça? Ben oui. Mais quand? Mais je ne t'ai rien dit, moi. Déjà, sors de chez moi. Allez, sors. Sors de chez moi. Chiro, je t'attends de vous. Non, dis donc. Ok. Désolé, Chiro, il raconte n'importe quoi à lui. Ben écoutez, je pense que vous êtes quelqu'un à qui on ne peut pas avoir confiance. Hein, parce que déjà, hein, vous avez dit que vous n'avez pas rendez-vous avec moi. Et de deux, vous avez envoyé votre homme des mains pour me tuer. J'ai plus confiance en vous. Écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, comme ce petit voyou était là, donc je pouvais rien dire. Donc maintenant, je suis à vous, on peut parler. Ce qui est sur moi, votre dossier, je l'ai remis à mon boss. Voilà, je l'ai remis à mon boss. Maintenant, vous allez traiter avec mon boss. Ah bon? Voilà. Vous avez remis mes dossiers à votre boss? Voilà. D'accord. Donnez-moi le numéro du boss. Ok, ben écoutez, maintenant, je vais vérifier. D'accord. Bon, ce que moi, je vous demande, c'est de revenir dans mon parti et on n'en parle plus. Ah bon? Ouais. Donc, ce qui veut dire si je viens avec vous, tout est réglé? Si vous venez dans mon parti, on n'en parle plus, le dossier, tout est réglé. C'est tout ce que je veux. D'accord, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'on travaille pour la même cause. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit s'entretuer? Donc, il n'y a pas de problème, je serai avec vous et on va travailler. D'accord. Ah, bonjour, bonjour. Ça y est, vous êtes arrivé? Oui, je suis arrivée. Bonjour, boss. Okay. Vous n'avez pas mis du temps, hein? Ah ben non, c'était rapide. Mais par contre, j'ai une dame qui va venir, tout à l'heure elle va venir, elle va aussi apporter beaucoup de conseils. Cette dame-là, elle est très intelligente, elle va nous apporter beaucoup, vous apporter beaucoup de conseils, surtout les cyberactivistes. Cette dame, oui, elle va arriver tout à l'heure. Siro, madame, si aujourd'hui j'ai fait appel à cette dame, ça fait deux semaines de cela qu'elle est venue à mon bureau, et le message qu'elle a passé m'a vraiment touché, étant politicien. J'ai compris que nous ne devons pas pousser nos jeunes frères à aller à l'abattoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, en train de se dénigrer. Pourtant, nous sommes tous de la même famille. Donc, nous devons nous aimer afin que la nouvelle génération copie sur nous. La politique, ce n'est pas la guerre. C'est main dans la main que nous pouvons avancer. Aujourd'hui, ce grand jour, je vous demande de faire main dans la main pour avancer. Commérage de Paris, on n'est plus que de ça. Les commérages de Paris, on n'est vie que de ça. On ne fait que raconter les réalités de ce monde. Commérage de Paris. Commérage de Paris, on n'est plus que de ça. Les commérages de Paris, on ne vit que de ça. On ne fait que raconter les réalités de ce monde.